Bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation à l'hôtel. Je n'ai pas pris une nouvelle fois les hamburgers de chez Big Fernand, mais plutôt une vraie pizza italienne. Je crois que le resto, si je ne me trompe pas, enfin si je me remémore bien, il se nomme Dolce Vita, qui se trouve près du Paris Games Week. Il y a même plusieurs pizzerias à cet endroit-là. Mais j'ai décidé de choisir celui-ci parce que j'aimais bien et surtout le four à pizza était bien mis en valeur. Voici la pizza que j'ai récupérée. Il s'agit d'une burrata. Nous avons du jambon cru du pays, sauce tomate, mozzarella, burrata, roquette. Et je pense qu'au vu de son nom, elle doit bien carrier. Elle doit bien bourrer le bide. Allez, goûtons ça. Allez-y. Oh, en plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus dégusté une vraie pizza italienne. Attention, nous allons commencer par la croûte et il n'y a pas grand-chose. Oh. Et j'ai pris un bon morceau. Après, je sais pas si je vais tout manger. Je sais pas si je vais tout manger, mais il y en aura pour demain. Déjà c'est goûtu. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi. Et demain sera ma dernière journée au Paris Games Week, puisque je pars dimanche matin. Vous aurez vu le monde qu'il y avait aujourd'hui. Oh. Un enfer. Mais c'est bon à savoir. Ça montre. Le Paris Games Week et les jeux vidéo ont encore un bel avenir devant eux. Mmh. La burrata au milieu, elle est bonne. Moi, je pensais que burrata et mozzarella, c'est la même chose, mais non, on dirait pas. Ah, zut. Mercredi. Allez. Oh, mais mercredi, là. Arrête de tomber. En plus, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Et vous allez rire. J'ai choisi cette pizzeria puisqu'elle se situe proche du Big Fernand. Avant d'aller au Big Fernand, on passe devant cette pizzeria. Et j'étais passé devant. Et quand j'ai vu le four à pizza en mise en valeur, j'ai dit vendredi, je mangerai une pizza de ce restaurant. Bah, jeudi, j'étais en soirée Twitch. Soirée VIP. C'était cool. Ouh, mais j'ai oublié la sauce pimentée. Bah, allez, un petit peu de sauce pimentée, voyons. Attends. Après, c'est de boucher. Mmh. Ils ont mis de la vinaigrette tout autour, c'est bon aussi. Non, franchement, je valide. Voilà. Pas trop d'huile pimentée quand même. Sinon, ça va m'arracher la tronche. Allez-y. Mmh, ça fait du bien. Un bon petit repas. Après, une bonne journée. Je suis en train de faire mon sport du mois. Tellement je marche au Paris Games Week. Mais pour traverser tous les pavillons, ça se fait pas en 5 minutes. Oula. Où elle monte. Mmh.
En plus, la roquette, elle est toute fraîche. Franchement, je suis en train d'hésiter pour le repas de demain, mon dernier repas sur Paris. Je vais peut-être prendre une autre pizza. Parce qu'au moins, ça cale. Ouais, mais j'aime bien aussi Big Fernand. Il y a trop de choix. Mais c'est bien. C'est bien pour moi. Bon, encore une fois, on a passé une journée de fou. Je suis un petit peu absent. Plus concentré à manger ma pizza. Garder un petit peu de burrata. Pas tout manger quand même. Ouh, le bon gros morceau de jambon du pays. Je pensais qu'elle allait bourrer celle-là, mais pas tant que ça. C'est peut-être aussi parce que j'ai vraiment faim. Allez. Faut manger même la croûte. Pour ceux qui habitent dans le coin, même si au moment où vous regardez cette vidéo, je serai déjà rentré chez moi, il faudrait que vous me conseillez des bons restos qui se situent autour du Paris Games Week à Issy-les-Moulineaux. C'est d'ailleurs ici, enfin c'est dans cette ville où j'ai passé le tournage d'Incroyable Talent. Ouais, j'ai que ça à raconter. Oh, bon appétit. Oh. Est-ce que la pizza va gagner cette bataille? Ou est-ce que mon estomac et mon cerveau sont assez forts? Ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Et hop. Après, il faudrait que je vous fasse une vidéo hôtel tour. Montrer à peu près ce qu'il y a dans cette chambre d'hôtel. Ouais, là, je commence à avoir du mal. Et mon verre est presque vide. Ah, il va falloir que j'aille le remplir. Je crois pas vous avoir dit comment j'ai payé ça. Moi, ouais, dans le doute. Cette pizza m'a coûté 13 euros seulement. Alors que si vous vous souvenez bien, mon menu Big Fernand, c'était 3 euros de plus. Ah. Mais c'est vrai que, en termes de rapport qualité-prix, c'est un bon compromis, les pizzas. Ouais, mais... je sais pas si cette pizza le lendemain elle va être bonne. Ouais, je dis ça, j'ai pas encore fini. Mais ouf, ça commence à devenir dur.
Il nous reste encore à peu près un tiers, je dirais. Ouais, croûte, bordel. Je vais aller remplir mon verre d'eau en attendant. Hop, c'est juste derrière. Ouh, attention. Va éviter de se casser la tronche. Ah, ça manque de yaourt. Mais j'ai rien là actuellement. Ah, j'ai juste des petits biscuits. Pardon. Aïe, le bon jambon, il est bon en plus. Mmh. Oh. J'ai pris un bon gros morceau de burrata. Et là, ouais, là. Ouh, ça cale l'estomac. Oh vache. Finalement, j'aurais presque tout mangé. Il y a juste la croûte. Ah. Parfait. Hop. On a rajouté ça. Bon bah. Je valide cette pizza. Ah, c'était bien bon. Bon bah, c'était pas vraiment une vidéo intéressante. Allez, ciao.